Bien bonjour tout le monde qui a regardé Kilti Anka. Kilti Anka, c'est une émission qui est dédiée à la Kilti en général, mais tout ça est dans la Kilti. Qu'est-ce qui est dans toi, la Kilti? C'est aussi la politique, politique engagement, hein, quand on a pensé pour devenir un pays. Hein. Quand tout Guadeloupéen, hein, près de 400 000 personnes, qui a posé chaque jour le rêve, qui vision y a pour le pays? Kilti Anka, c'est aussi parler de ça qui est en nous. Kilti, tambour, masse, tout ça qui a tourné à l'entour là, qu'il dit. Nous avons des grands invités, comme d'habitude, des gens qui sont vraiment engagés à travers ça, ils ont fait. Ils ont une opinion sur eux, mais ils savent qu'ils ont fait pour payer à eux. Et pour les gens, ils jouent pour GBC avec eux parce qu'ils ont engagé, ils ont debout de ça, ils ont fait. Et penser à eux, ils ont matérialisé jusqu'au bout. Alors, je dis jour, encore recevoir Laurence Makiaba. Laurence, qui j'en ai? Bien, bonjour tout le monde. Ben là, un bien content. Alors, un bien content, vraiment. Juste à côté à Laurence, un yon bouc en cas apprécié, quand il met en l'eau. Parce qu'il y a un bon esprit en Miliagoka. Et malheureusement, d'autres monde pas mettre devant assez. En dit, faut t'es invité. Monsieur Philippe Armougon, Phil, qui j'en ai? Un bien jusqu'à maintenant. Grâce à Dieu, merci. Merci. Alors, Laurence, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Mm-hmm. Actuellement, nous savons que sans désordre ni problème, ont été engagés. La Kilti en Guadeloupe depuis Covid pour gêner reprendre base là pour point là. On sait qu'on sait à l'ANG qu'elles ont une commission culture. Mm-hmm. Qui réflexions ont capoté si tout ça qui a vivre dès qu'il tient nous, qui gens ont un vrai développement là au niveau de l'ANG. En cas dit encore que l'ANG a eu aux élections régionales et ils font un très bel score. Qu'en va penser de tout ça? Ben justement, ça qui fait nous rentrer en Centre des Arts là, en 2021, à Patéye, qui est le bâtiment du Centre des Arts, c'était pour pousser un cri pour la Kilti, pas rien qui pour les acteurs. Ça nous met en projet en nous, c'est que fonder la société guadeloupéenne là, c'est Kilti là. C'est ça nous qu'a fait en Didraï, c'est qui j'en nous qu'a vivre, c'est qui j'en nous qu'a bocanter, c'est qui j'en nous a métier dans nous, qui j'en nous qu'a vivre à donc. C'est ça qui Kilti au départ. Et nous rendons compte que en Guadeloupe, le monde qui a travaille dans la Kilti, moun ki ka fait les sons, musique, tout ça au Vesti Mouna, moun ki artiste, moun ki technicien, yo pou yon pa ka vivre bien. Pour autant, ni on l'eau, on l'eau, on l'eau, on l'eau, Kilti qui a fait, ni moun carnaval sorti commencé, moun ka ôté l'argent de yo, puis yo peut faire spectacle, yo peut faire Kilti. Oui. Voilà. Donc ça qui fait que nous rentrons dans ça, c'est que ça nous a dit, c'est que ni on problématique qui a fait, c'est que pour moun pa ka mande moun à la Kilti ka yove. Pas ni pour concertation. Avant ou décider ou ka faire, ou ka mettre ton machine à glace, si on parle de pêche, ou ka mande pêcheur, ka yove. D'ailleurs, c'est eux qui disent si c'est une machine à glace, il besoin, si pour là, il faut y arriver là. Alors, ça, on va dire, ça, c'est que dans le monde de la culture, ben, nous pouvons mettre les pieds dans le plat. Hein. Les politiques ne peuvent pas coûter attente à autres, ou bien les entrepreneurs de spectacle ou d'autres mondes ne peuvent pas coûter attente à autres. Pour moi, les politiques ne peuvent pas coûter. Ils ont fait, pour des producteurs de spectacle. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'argent en nous, parce que l'argent public, c'est l'argent nous toutes, et ils ont fait spectacle. Qui avait l'occasion, voilà, j'ai fait une politique culturelle. Donc, c'est les concurrents des gens qui ont produit le spectacle, c'est les concurrents des écoles, c'est les concurrents en nous, en fait. Parce qu'ils ont agi, considéré, ils ont été comme nous-mêmes, et bien là, ils font spectacle, ils font bitin. Alors que le rôle, c'est de réfléchir à qui gens, et bien, artistes Guadeloupe, bizin, tel, un certain nombre de pour dit, ils ont touché, ils ont rentré dans le système là, d'intermittence ou de ces bitins-là, ça, ils ont été payés voir le rectorat, dit le rectorat, la Guadeloupe met gros cas à l'UNESCO, nous trouver le moyen que dans cette école là débuter qui a fait. Pourquoi penser ça en politique culturelle, c'est en politique qui a réfléchi. Autre, qui constat nous a fait et qui action nous peut mettre. Et en fait, constat là que nous a fait jeune là, c'est que population là en lui-même toujours très actif dans la Kilti, c'est Kilti là qui a fait on l'eau si pas ni plus délinquance, j'ai ni l'eau, mais si pas ni Kilti, si pas ni ma, si pas ni ce bête là ça, t'es que ni plus encore. Parce que c'est là où on arrive à attraper des mounes, c'est là où on arrive à insérer des mounes. Oui, où on insérer des mounes, mais Adam par exemple, Kourimas ou même en monde à Tambour, les Roses, fait on l'eau action, à qui moment les artistes en eux-mêmes, du moins c'est là qu'a réfléchi, qu'a cabéché, si dit venir au pays et au raciser pour mettre ensemble et travailler ici la Kilti. Mais parce que
Je ne peux pas faire, je peux réfléchir. Et on sait que nous avons d'autres exemples. Nous avons 30 ans là, avant nous, en 2009, déjà, nous avons en réquisition, un squat qui a déjà fait de la pointe. Donc ça veut dire que l'artiste a déjà fait ça. Sauf que ça, là, les élus qui ont nous fait, c'est de faire gracieusement, c'est de ciser, de réfléchir en politique culturelle et à côté de ce qu'on a fait à eux. Alors que le rôle à eux, c'est vraiment le rôle de garder ce qu'on a fait et de soutenir pour aller plus loin. Et en fait, tout cas, rendez-vous compte que ni des formations d'excellence, lycée qu'on a toujours premier lycée de France chaque année, qui a voyé jeunes en France, qui a voyé jeunes en Europe, qui a voyé jeunes Berkeley, et ils n'ont pas qu'à travailler ici. Donc, pour qui habite. Pour qui habite, nous arrêter nous juste au premier niveau, nous pas qu'à aller plus loin qu'ici. Est-ce que ça a voulu? Bon, en Pékin dit que ça a voulu considérer que c'était qu'un complot. Oui, mais. Mais bon, moi, nous sommes de l'acheter. Pourquoi on a dit que si ça a voulu, sans couper, c'est que. Ou qu'a dit ça, ou vision, ça veut dire que ces gens-là qui ont été payés là, ça, ils ont vrai aussi. Et ils ont aussi dénoncé. C'est pourquoi on a dit est-ce que ça a voulu? Est-ce que peut-être. Mais à yo pas marré. Mais bon moi non mais à yo pas marré. Par contre yo pourquoi comprendre qu'il faut yo ben yo il est capable de quoi faire réunion avec yo capable de qu'il tient là qu'on charge. Et donc yo capable de qu'il tient rien qui de j'ai mis de l'argent sur tel événement mon logo était là. Mais yo pas capable d'investissement, yo pas capable de retombées économiques, yo pas capable de l'argent ça qu'a produit et yo pas capable de rôle à la qu'il tient. En sortie d'ici insertion là ça fondamental à don pays. Ni des moun première fois que moi yo machine à coudre, c'est joué masse. Et peut-être demain, il y a fait métier à réveil. Ni des petits bouts qui rentrent en musique parce qu'ils ont été rentrés en groupe à masse. Et après, ils ont fait piste. Oui, ils ont fait piste à la que 20 fois, à la que on sait, ça tourne autour de l'artisanat. Mais il y a quelque chose de, excusez-moi en première français, mais il y a quelque chose qui est très important. Nous savons que depuis toucher à la qu'il tient un pays là, ça, on va toucher forcément en forme de confiance, de conscience, pardon. Oui. Est-ce que c'est ça que les politiques paient en disant que si nous sommes qui consensueux, qui aiment pays, que ok, V en évolution statutaire Haïti bien plus loin. Est-ce que c'est ça, Yopé? Peut-être que c'est ça aussi. Dernier fois, en lit définition à la politique culturelle de Kakila Kilti, de Nelson, dans un journal à la région, qui dit que la culture, nous sont un petit bout à la France, qui peut faire voilà. Alors, quand il lit ça, on peut bien comprendre que, pour comprendre qu'il sort sa culture en nous, et que il ne peut pas lire, et qu'il dit ça, et qu'il réfléchit ça, voit toute puissance que ça a mis. Mais est-ce qu'il n'y a pas un rôle là en tant que politique, même si peut-être en fond d'idée, hein, même il a pensé différemment? Mais d'après moi, non. Moi, sans qu'à voir là, c'est que vraiment, nous, comme là qu'il dit, c'est amusement, comme là qu'il dit son bitin qui a pas, comme là qu'il dit, il y a quand même à côté un projet là, les vrais bitins économiques, c'est le BTP, c'est les chantiers, c'est ces bitins là, ça. Et là qu'il dit à côté. Et donc, il y a quand même des bitins pour faire mon plaisir. Et là qu'il dit, bah, il y a son outil pour faire élection, son outil pour dit, gars, sans proposer tel bitin et au petit voilà. Mais est-ce que vous permettez que Mouna qui est amateur, qui bise pas ses professionnels, peut sortir en Guadeloupe? Non. Est-ce que vous faites, sans désordre là, par exemple, ni un débat, ni collectivité qui paraît dans ce désordre là, et entendre dit, parce que pas ni plus qui sont Guadeloupéens qui sont capables de remplir un salle à 1200 places. Sauf que rôle en centre des ans, pas rien qui de ouvert scène là-bas, moun. C'est de permettre des petits projets, des moun qui abatteurs. Si moun a dit ça, là, pas Guadeloupéen. Ben, yo Guadeloupéen, et yo à la tête du pays, et yo veut pas mettre l'argent dedans pour ça, parce que yo ka dit, pas ni Guadeloupéen qui képé. Et donc, yo projet à yo, c'est de dire, faut nous faire paquet à Tissal, parce que c'est Tissal qui ensemble nous. Parce que pour le moment, c'est ça nous peut remplir. En vrai, l'État français dit qu'il a débloqué près de 1 million et poussière. Et ça pas assez. Et d'après moi, si toute copolitique Guadeloupe décide là devant l'État pour dire l'État faut mettre l'argent, l'État va mettre moitié moins d'argent en Guadeloupe qu'il va mettre en Martinique. Pas parce que nous pas ni artisans, mais parce que nous pas structurés. Et qu'elle a déposé un dossier, il a dit combien d'emplois temps plein, combien de kibites, combien de kisisi, combien de kisasa. Ça. Mais rôle on s'en désordre, c'est ça s'en désordre l'affaire. Combien fois on fait un festival, on fait un gros concert, c'était avec le Centre des Arts qui est en coproduction avec moi. Tout à fait. Donc c'est le Centre des Arts qui met moins les pieds à l'étrier et on loue artisans, tu es commencé vie professionnelle parce qu'ils rentrent, c'est ça qui roule au Centre des Arts. Est-ce qu'on peut penser que dans le milieu artistique, là, on peut parler des professionnels, on peut créer un lourd emploi dans l'île en nous? Est-ce qu'on peut créer des emplois qui sont porteurs pour demain? Parce qu'en vrai, on loue, on parle des 507 heures, on loue, on qui ne peut pas remplir. Pourquoi? Parce que nous sommes seuls, nous entourés avec la mer, tout ça qui n'est, et là, on vous exporte rare, naturellement, il faut jambé de l'eau, il faut partir à 7000 km. Mais est-ce qu'en Guadeloupe, en Cap-Brancard, est-ce qu'on peut vivre de ça ou pas produit? Alors, moi, ça particulier,
particulier parce que moi, productrice dans seul festival, et c'est ton volonté, bon, moi, l'envie en Guadeloupe, on dit, pas qu'à faire habiter à Kilti encore, on va laisser ça arrêter. On fait bar, un manager artiste. Ça veut dire festival là, on est qu'à faire canal là, encore quoi que la région Ténion Paradis. La région Ténion Paradis. Alors ça veut dire qu'ils ont divorcé avec la région, alors? Non, ce n'est pas la région, c'est la mairie qui décidait que, comme l'I pas qu'à voyager assez en disant, la mairie décidait qu'elle ne veut pas faire festival là encore. Donc nous qui faisons d'autres gens, nous qui faisons d'autres côtés, mais c'est rien qui ont habité, pas ça, c'est politique, sur d'autres bitins, mais ça, on ne peut pas qu'à forcer mon affaire des bitins, si ce n'est pas encore nous en coproduction. Mais pour le coup, par exemple, la CNGT, là, nous commençons, la CNGT dit nous, non, il n'y a pas qu'à mettre l'argent dedans. Au bout de 4 ans, la CNGT a décidé que c'est un événement majeur du territoire, pas juste parce que ce festival était belle, mais parce qu'artisan qui était qu'à financer derrière eux, était qu'à faire journée à l'année là. Très bien. Et que tu as un financement qu'à fait. Festival là, tu es gratuit, mais à partir d'un bitin qui t'est offert au peuple, c'est un bitin qui ont investissement. Là, on peut mettre l'argent dedans et que derrière, industriels, artisans et d'autres mondes qui arrivent vendent des bitins, voilà, nous faisons à la Caraïbine, oui, nous faisons ministre. Oui, ministre, mais est-ce que vous, ou quoi pensez que nous payons autosuffisants nous? C'est-à-dire que là, on parlait d'artisans, de tout festival. Est-ce que, par exemple, nous payons autosuffisants? Pourquoi on va poser la question là? Parce qu'à un vrai qu'à un moment donné, en plein Covid, malheureusement, l'hôtel n'a pas déjà tourné Guadeloupe. Mm-hmm. Et c'est Guadeloupéen qui a fait des prix qui permettent que certains hôtels ou gîtes qui aient. Est-ce que dans le milieu de la culture, nous pouvons faire même bien là? En cas, d'après moi, il faudrait que nous soyons capables de réfléchir à d'autres systèmes. Mais qui veut dire aussi que nous réfléchissons aussi à la taxe qui est nous. Parce que chaque fois où achetons un livre, chaque fois où au cinéma, chaque fois où regarder la télé, chaque fois, il y a un bitin pour financer la création là. Sauf que comme nous pas structuré, eh ben toute l'argent là ça qu'a viré Paris qui a décidé. Alors là quand dit nous pas structuré, voilà. C'est vrai quand Philippe file la parole, que là nous pas structuré, on sait que dans le milieu du gros cas, nous pas parler même bien là que le milieu de la culture, l'amour, partage, respect, on sait que c'est des mots que nous aime employer, mais pour moi c'est des mots qui font mais en même temps qui galvaudé parce que nous pas vrai que nous pas maîtriser en pratique. Phil, vous ou dans le milieu du gros cas, ça qu'a fait combien de temps dans le milieu? Juin 2024, qui fait moins 50 ans de tambour. 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 Vous jouez avec tous les artistes guadeloupéens? Pas tous. Vous jouez avec Zna, tous les... On joue un petit peu avec Zna, Eric Kozak, et il est au défunt. Comme on a dit, on voulait bosser un petit peu partout. Là, il était voulu moins être présent. Parce que ça a été très difficile pour moi, par rapport à Chibiou. Étant qu'indien, à part 10 indiens, étant qu'indien. Là, on est entré, arrivé, on dit que ce n'est pas très facile pour moi. Ça va être facile. Ah oui, j'étais mal vu. Est-ce que par rapport à l'ordre, ça a fait plus de, presque de 50 ans, est-ce qu'on peut vivre des musiques? On ne peut pas dire qu'on peut vivre des musiques. Est-ce qu'il y a pour ton complément? Bon? Et qui pour ton complément, mais on ne peut pas vivre des musiques, déjà. Parce que moi, arrêté, si vous voulez, sur la base des anciens. Sur la base des anciens. Mm-hmm. Pourquoi? Les anciens, ils font un petit groupement, ils déposent un tambour à Yoaka X, et ils appellent X vive, au moment-là, ça, ça, ils appellent ces tailles. Si vous voulez, c'est ton coup de main qu'on voit. À pas si vous voulez, c'est un coup de main. Oui. Eh bien, ils ont mangé, ils ont boire, ils ont amusé. Demain matin ou dans la nuit, c'est fini, nous qui rentrons. Mais à quel moment, après 50 ans là, ça, où, normalement, il faut être professionnel. Parce qu'en cas où ça, pourquoi en cas où ça? Parce que l'âge là a remonté. Et le fait que quelquefois, que nous, dans le milieu du gros cas, ou artistiquement, nous n'avons pas de cotisation, eh bien là, nous arrivons au système de retraite. Malheureusement, la retraite là pas gras. Et un peu, dit trop bien, nous avons l'homme ou dans le gros cas, particulièrement. Qui était dédié à la musique là, ça, qui vivent là, et malheureusement, il y a pas mal fin, ça veut dire qu'il n'y a pas de décroît pour fin, si vieux joyeux. Est-ce qu'on ne peut pas penser, qu'on a dit Laurence, qu'il faut nous changer ça, dans la pensée professionnelle? À pas fait nous changer, nous peut changer. Quelqu'un peut changer. Mais le mal fait des uns et des autres. Pas qu'à amener nous pour côté. Ça peut qu'à amener nous pour côté. Parce que quand toi, tu viens avec l'amour, le sens de la tradition, pour faire les choses bien comme il faut,
L'autre là a dit, ah, quand elle a compris. C'est peut-être, non, non, mon cas pensé positif, c'est peut-être parce qu'elle est beaucoup habituée, il est qui vrai bien fait là. Que, ça qui fait yon dé. Ça qui est porté, parce qu'on croit que dans le milieu, pas yon, si tu l'es à nous, en toute honnêteté, nous n'y artistes, nous n'y créateurs, nous n'y. Nous, on a tout ce qu'il faut, oui. On nous n'y puisque la France, si jamais la France tennis a été le premier dans le monde, n'a pas les États-Unis. Mais. En cas de ça, nous n'y en Guadeloupe, si nous croyons géographiquement et contenance, nous t'es 63 millions de monde, nous t'es rayonné, c'est nous qui tenons toutes ces étoiles-là. Mais est-ce que toi, est-ce que tu vois ce côté professionnel? Est-ce que tu le vois? Est-ce qu'on a ressenti? S'il fallait être ceci, j'aurais bien aimé être un pro. Mais à travers tout ce que moi, perso, en vie ou statut, c'est très, très difficile. Parler déjà dès le jeune âge, travailler sur ça et aller au-delà. D'accord, ça veut dire que tu as commencé à travailler très tôt. Mais le Goka, c'est une passion. Alors, c'est vrai que je ne vais pas parler de moi, je vais parler de moi, mais Goka, son passion, on passion avant tout. Mais là, pour son réflexion, c'est qu'en vrai, les anciens, vraiment rouler bas politique, rouler bas Guadeloupéen, rouler bas syndicat, rouler bas patriote. Non, rien vu. Et si les derniers temps, ils étaient en difficulté. Nous, au sein qu'il tient cas, nous croyons rouler pour nous-mêmes, mais aussi ni des acteurs qui accompagnent nous, ni des sociétés. Alors nous qui marquons, on petit page publicité, nous croyons revenir talent.